t'entends? Non mais la rue n'a pas bougé. Non, mais... non, retirez-vous. Je vais prendre une balacota. Faut lever les roues là. Pas de haut, j'ai pas d'abord. Allez, ça bouge. Ça bouge. Encore. Merde, j'ai pas les tuyaux d'eau. Ouais, le bus, on va le mettre dans le sens là. Et voilà, on est arrivé à la fin. Il est installé. Ouais. Il se marre, il se marre. Magnifique. Là, on va le mettre. Ouais. En plus là tu vois j'ai la ceinture là, d'accord mec. J'en sais rien du tout. C'est pas une mauvaise chose. Ah oui c'est vrai que bon, tu fais quelque chose, tu veux, tu. Ouais, peut-être. Ah, celle-là, en plus, c'est pas dans le bus. Là, c'est vrai que c'est bien, hein, déjà. Là, c'est pas mal. Hein. Un petit peu de lumière. Ouais. Ouais. Oh. Ah, tu l'as connu, hein, mais... on va dire, on peut mettre déjà une palette grande. Ah bah, j'ai du béton à faire si tu veux. Béton? Ouais. Ça s'appelle bétonnier. Garder une place quand même pour la bière. Ah oui, regarde là, c'est les enfants. Là. Là, non, là, c'est bon, c'est bon. Ah bon. On est dans les repères. Hein? Donc Rémi, il faut que tu passes entre les deux là. Ouais, je vais te permettre d'avoir mis la... Elle est juste, hein. D'aplomb. C'est bien. Il y en a qui arrivent au collage là. Enfin, je pense que c'est... Non, mais il y a d'autres trucs à faire, mais personne ne va y aller. Là. Bon, bon, je vais y aller aux chiottes. Hein. Bon, il tourne encore. Je vois que tu fais par recette. Sur plein, quand même, un petit peu, non? C'est pas gênant? Si, si, faut que ça soit plein. Après, on a plein de cales. Allez, ça,
avez ça c'est de la peinture à damier. Quoi? Ah, t'es... C'est pas dans un dessin animé d'Astérix qu'il y avait la peinture à damier. Alors je crois que ça se comprend parce qu'il y a... Avec l'environnement, le bus... J'aurais gagné sa peinture. Et moi, il me reste du bleu, du blanc et du rouge, qu'est-ce qu'on peut faire? Un bleu, blanc, rouge. On met un drapeau et puis voilà. Sachant qu'après, il y aura du tennis apparemment. Donc c'est soit vendredi, soit samedi. Bah, samedi, il y a du monde. Donc, samedi, donc vendredi, enfin. Donc vendredi, journée off. C'est ça? C'est con parce qu'il va faire beau. Mais tant pis. Bah, à la limite... Allons profiter du beau temps, alors. Ah. D'accord. Sur cet AG. Eh ben écoute, personnellement, une AG guinguette, comme d'habitude, avec, avec du sourire, du bonheur, de l'amour, même, dirais-je. Même, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle adhérente qui s'appelle Emmanuel, et dont les initiales, ça fait SM. Et je trouve que ça va très bien. Ça va très bien avec la guinguette. Donc nous, tout va bien quoi. Donc ça... nous en resterons là et plus si affinité. Ciao. Qu'est-ce que tu vas nous dire quoi, sur cet AG? C'était bien. Il y avait du soleil et tout le monde était là et bonne ambiance et bon départ de guinguette. Cet AG, qu'en avez-vous pensé? Cet AG, ça a été assez intéressant, sauf qu'il reste un problème sur les toilettes. Et il faut absolument qu'on en cause. Parce que, donc on va faire on va faire certainement un sit-in ce soir. On peut éviter de le faire par terre. C'est pour ça que vous vous êtes engagé dans le bureau, je crois. Oui. Parce que du coup, vous allez pouvoir maintenir ce sujet. Il y en a assez, quoi. Et en fait, je veux dire, on ne reconnaît pas les besoins des gens. Particulièrement les besoins. On est d'accord. Donc ce serait en fait que des gens dans le besoin, quoi, au bureau. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de nos jours. D'où ce problème de toilette. Exactement. Ah, d'accord. C'est le serpent qui se mord la queue. À queue le serpent, on est d'accord. Ouais, enfin. Oui. Faudra qu'on en parle au bureau. Ça, c'est important. On parlera du serpent qui se mord la queue au bureau. Eh bien, merci. C'était très intéressant. Bon. Mais j'ai pas tout compris. En fait, je ne sais pas quoi dire. Cet AG s'est très bien passé. Il y avait du monde, c'est remarquable. Vraiment, ça fait beaucoup de gens pour cette honorable guinguette. Je suis très contente. T'es contente alors? Oui, j'étais contente. Ça t'embête pas trop quand même que Thierry soit au bout du rouleau, comme tu disais? En fin de parcours. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu mal exprimée sur la question. Moi aussi, finalement, je suis en fin de parcours. Dans 3 ans, je serai en fin de parcours. Professionnelle, évidemment. Voilà. C'est quoi? C'est absolument délicieux. Comme la semaine dernière, comme il disait mon ami Benoît, j'ai renversé le gâteau la semaine dernière. Et là, je renverse mon verre et la cigarette. C'est dingue, hein? Non, c'est un bon signe, ça. C'est un bon signe. T'es hyper décontracté, en fait. Ok, ciao, ciao. Thierry, je peux rien pour la clope, mais pour ça, voilà. Il faut que tu mettes ton tablier maintenant. Tu es bénévole à la guinguette. Bienvenue. Tu pourras mettre toutes tes petites affaires dans les poches. C'est très joli, très saillant. Attends, il y a le lutin bondissant qui est là. C'est très saillant. Le cabri. Après, on peut en faire des tas de trucs. Hein? Génial, je le mets de suite. Thank you.
J'ai pas signé d'autorisation droit à l'image. Hein, il faudra qu'on y pense quand même. Mon agent est très très strict sur cette question. J'ai tout de suite. C'est pas trop de problème.
Même pas assez de terre pour l'enterrer.